Salut la team, c'est Bobby et j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Nouvelle vidéo les amis aujourd'hui sur Dragon Ball Dokkan Battle et sur la Glode Dokkan Battle. On va invoquer sur le Black Goku Rosé, mais dans un tout nouveau projet. Je vous ai posé la question sur mon compte Twitter, mon compte X, appelle ça comme tu veux. J'ai demandé si je commençais un compte global, c'était il y a une semaine, 10 jours pardon. Si je commençais un compte global aujourd'hui, d'après vous, combien de DS j'aurais en free to play environ? Il y avait plusieurs choix possibles. La plupart d'entre vous, vous avez mis entre 1000 et 3000 DS. C'est pour 50% d'entre vous, voilà. Moi, je pense qu'on peut être au-dessus des 3000 DS. Je dirais plutôt 3-4000 ou 4000-7000, tu vois. Plus, un peu plus de 4000, je pense qu'on peut... Que les un peu plus de 4000, c'est jouable. Mais le 3000-4000, il est safe, en vrai. Il est safe. Plus de 7000, je pense que vous avez abusé. Parce que oui, plus de 7000, je disais, je prends un bot. Je ferme tout le compte avec un bot et j'ai les plus de 7000, mais c'est pas ce qu'on va faire. Du coup, évidemment, on va voir, tenter l'expérience, on va créer un compte Dokkan, on va invoquer aujourd'hui son rosé pour avoir des persos pour démarrer. Évidemment, tu connais, compte bonus de co, il y a 2000 DS, level 1, rien n'est farmé. On va invoquer les 2000 DS pour choper des persos. Évidemment, le but, c'est de savoir quand on va farmer un compte de 0 à maintenant combien de DS on va avoir. Voilà, donc pour ça, il va falloir des persos, tu connais. Évidemment, je vais vous demander de mettre en commentaire d'après vous combien de DS je vais avoir. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Vous pouvez aller jusqu'à 10 000 si vous pensez, parce qu'au-delà, ça ne sera pas possible. Mais déjà, les 10 000, on ne les aura pas. Vous mettez un chiffre rond, les amis. Évidemment, il y aura un tirage au sort pour l'anniversaire. Celui qui se rapprochera le plus proche du nombre de DS que j'ai. Je prendrai tous ceux qui sont... je te dis une bêtise. Si j'ai 3595 DS et que toi t'as dit que j'allais en avoir 4000, ben tous ceux qui ont mis 4000, on les prendra, on le tirera, enfin un tirage au sort, il y aura une carte cadeau de 15€ à gagner. Suivez bien les vidéos, suivez bien les lives, parce que vous pourrez avoir une seconde chance de gagner et même de doubler la mise, donc pas 15€ mais 30€. Pour ça, ça va être très simple. Suivez bien. À 2-3 jours avant l'anniversaire, on stoppera les commentaires. Voilà, vous aurez juste, donc vous avez 4 mois pour ça, on stoppera les commentaires. Vous mettez cette fois sous votre commentaire le chiffre exact de DS que vous pensez que j'aurai. Ça veut dire que ça peut être 3794, tu vois. Le chiffre exact. Si quelqu'un, par chance, tombe sur le chiffre exact, cette personne-là gagnera automatiquement le concours et aura 30€ de cartes cadeaux offerts. Si vous êtes plusieurs à trouver, ben, ce sera toujours le principe du tirage au sort. Mais comme vous ne serez pas beaucoup, je pense, à trouver exactement, ben, vous aurez plus de chances de gagner. Donc voilà, deux moyens de gagner, un ou l'autre. Voilà, si vous tombez ben, dans les chiffres les plus proches, ça sera juste 15. Le chiffre exact, vous aurez 30€. Donc suivez bien tout ça pour savoir exactement où vous en êtes. Et autre chose, on est à 1500 abonnés sur la chaîne, 1495. Si on atteint les 2000 abonnés avant la célébration des 9 ans, je referai gagner encore une carte cadeau pendant l'anniversaire. De 20€, soit 50€ de cartes cadeaux à gagner pour les 9 ans de Dokkan Battle en atteignant les 2000 abonnés. Voilà, même si sur ce compte-là, il y aura juste 15€ à gagner, mettons, si vous tombez pas sur le chiffre exact. Les autres 15€, je les ferai gagner pendant la célébration de l'anniversaire. Dans tous les cas, il y aura 50€ à gagner d'ici les 9 ans de Dokkan Battle. Donc abonnez-vous, donnez-moi la force, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai 2000 et quelques DS. On va faire quelques petits DS parce que je veux pas que la vidéo dure 4 jours non plus. On va essayer de dropper un maximum de rosé, c'est le but les amis, la carte est magnifique, moi j'aime trop, j'aime bien le perso, donc voilà, j'avais déjà un peu de DS, j'ai invoqué 2-3 trucs déjà, le but, j'aimerais bien l'avoir 100%, c'est parti, on va faire 360, on va faire 300 DS, on va faire 300 DS, 2 cycles, peut-être un peu plus, et voilà, pour pas que la vidéo soit non plus trop longue, le but c'est que vous sachiez qu'il y a un nouveau concept qui arrive, suivez les vidéos, suivez les lives, abonnez-vous, venez gagner vos 50€ de cartes cadeaux, pour les 9 ans de Dokkan Battle et dropper le beast et tout ça. Et venez me soutenir et me donner la force, ça fait toujours plaisir. Tous mes autres comptes sont évidemment dans la description de la chaîne, les amis. Vous aurez mon compte Twitter, mon compte Twitch, évidemment le compte YouTube, tout ça. Bref, tu connais, un compte Instagram, le compte TikTok, tout ça. Venez là-bas, on pourra bien rigoler. Pareil, si j'atteins les 1000 abonnés TikTok, je ferai un petit jeu concours parce que en dessous des 1000 abonnés, on ne peut pas stream sur TikTok et j'aimerais bien stream aussi sur TikTok de temps en temps. Donc voilà les amis, c'est parti, première mutuelle, elle était flingax. Là, le banger, ça serait d'avoir une animation faille de rosé, comme ça on drop rosé sur une faille de rosé. Et vraiment, je pense que c'est le summum du drop, ça. Le summum du kiff, ça reste ça. Par contre, il faut que je m'active parce que je vais aller travailler bientôt. Long Kamehameha. Allez, petit rosé. Non, le duo Vegeta. De toute façon, on n'a rien, donc tout est bon à prendre, j'ai envie de vous dire, les amis. Et même si on a des trucs,
quoi qu'il arrive, je vous ai dit, j'ai déjà fait quelques petites multi avant, on n'a rien à 100%, donc on prend tout ce qu'il y a à prendre. Si on 100% tout le détecteur, c'est que bien, tu vois. Donc voilà, il va nous falloir des cartes, il va nous falloir des cartes avec un certain level pour pouvoir avancer un maximum dans ce qu'on a à faire sur le compte. Dans ce qu'on a à faire sur le compte, dans les events, dans les trucs comme ça. Donc let's go, hein, j'ai envie de vous dire. Évidemment, ça va pas être le seul. Faut tenir en compte que ça va pas être le seul portail que je vais invoquer. Je pense que la SND, on va invoquer un petit peu dessus parce qu'il y aura des gros persos. Peut-être Tanabata après. Je vous donnerai le choix, hein, vous me dites. Combien de DS faire, je peux toujours vous donner le choix de combien de DS vous voulez que j'invoque selon les portails et tout ça. Hein. Comme ça, on gagne un maximum de DS pour les 9 ans. Mais le but, c'est d'avoir aussi quand même des persos. Là, malheureusement, quand t'as des Walida, des trucs comme il y a des persos SSR non d'aucun fait sur le portail, ben, tu te fais un peu avoir. Il n'y a pas de faille. Et... Ah là 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 là. Nous, on veut la faille, nous. Nous, on veut la faille. On veut la faille de Rosé. Mais il n'y a pas de faille. Allez, le petit Goten. Oh là, c'est pas ouf pour l'instant. Quoi, on a eu le petit Vegeta Trunks. Ouais, c'est vraiment pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Après, mon compte Jap, j'ai envie de vous dire, il avait très mal commencé aussi. Vous avez vu comment il a fini. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir les vidéos parce que c'est une dinguerie comment il a fini. Et une de quoi, comment il a fini. Il avait mal commencé, mais là, la Niv, là, il a glow up d'une puissance. C'est incroyable. C'est incroyable la Niv que j'ai vécu sur la Jap. Donc, si je peux vivre le même sur la version globale, je crache pas dessus, les amis. Je vous dis de suite, je ne crache pas dessus. Donc, ça, je pense qu'on peut zapper. Allez. Oh, waouh. Ok, bon. Parce qu'on vient chercher, nous, on veut du rosé. On aimerait bien un rosé, au moins dans la vidéo. Mettez-moi un rosé, pour le kiff, pour les gens. Ils viennent voir, ils viennent regarder. Ils veulent voir du rosé, on veut dropper du rosé. Donnez-nous du rosé. Deux rosés dans la même multi, même. Trois rosés. On prend. Allez. Je finirai, évidemment, d'invoquer hors live. Remplir, monter la box, parce qu'avec les DS, je vais quand même monter la box pour pas être trop en galère après. Donc tout ça, je le ferai de mon côté, mais voilà, après, suivez, tout le reste, on le fera sûrement en vidéo et en live, surtout en live. Voilà. Toujours pas de rosé, toujours pas de rosé. Waouh, ah, c'est strict, là. Le gros crunch of the Tenshinhan. Walida, mais Walida, ça veut rien dire sur Sportai, malheureusement. Ah, Lokamemea, ça veut tout dire, par contre. Ça, c'est un Dokkanfest. Allez, mettez-nous un rosé. Franchement, un rosé, et on clear là-dessus. Un petit rosé... Et on coupe la vidéo là-dessus, ça serait génial. Et non, c'est un Mirai Gohan. J'avais oublié qu'il était dans le portail celui-là. D'ailleurs, très très bon avec son ZTUR, le Mirai Gohan. Je l'ai sur mon autre compte, sur mon compte principal global, et c'est très fort. Avec son ZTUR, même sur la Jap, d'ailleurs. Et c'est très très fort. Allez, la gratuite. La petite faille. Pas de faille. Ouf, Piccolo tout seul, ça pue. Oh, ça pue Piccolo tout seul. Pas de faille, Piccolo tout seul, tu sais que... Quoi, pas de faille. Piccolo tout seul, surtout. Il n'y a rien d'autre. Oh, allez, 3 SSR. Putain, ça va être 3 SSR catastrophe. 3 rosés, on prend. Allez, 3... Oh, pauvre. Oh là là, il m'a anéanti mais tous mes espoirs direct. J'ai dit 3 rosés, on prend. Ils m'ont mis quoi? Super Trunks. Oh là là. Oh, le petit... Oh, c'est... Waouh. Ok, ok. Les deux petits Gohan qui suivent... Le point commun de cette multi, c'est ce Gohan. Hein. Il est dans l'arc là et c'est Gohan là. Allez. Je pense que ce sera le dernier cycle, les amis, en vidéo. Ça sera le dernier cycle. On peut avoir du lourd. En fait, j'ai pas envie de partir si tant qu'il n'y a pas d'ourd. Faut qu'il y ait une masterclass dans la vidéo quand même. Et pour qu'il y ait une masterclass, il nous faut ce fameux rosé. 3 SSR encore. Ça va être catastrophique, je sens. Il nous faut rosé pour qu'il y ait une masterclass. Oh! Oh, ça c'est pas mal. J'ai dit 3 SSR, ça va être catastrophique, je sens. Ouh, il annonce la couleur. Même la maille est pas trop dégueu en vrai. Surtout quand je commence comme là. Mais le duo blue là, c'est, je m'y attendais pas. Ça c'est un peu moins cool. Mais le duo blue, incroyable le duo blue. Incroyable. Allez. Ah là, l'animation, on est un peu.
Un petit Zeno, une petite faille, y'a rien, on peut pas gratter un petit truc là? On peut pas gratter un petit truc? Non, non, je fais zapper les amis parce que... On sait que cette multi est vouée à l'échec. On sait que cette multi, c'est l'échec dès le début. Elle avait mal commencé, elle a mal fini. Allez. Vegeta, Whis, Trunk. Petit Walida, Plate Fusion. Ouais, mais Walida... Comme j'ai dit, Walida, son sport... Ah ouais, bah 3 SSR. Hein. Donc, il y aura pas de... Pas, c'est pas forcément du Dokkan Fest, quoi. Normalement, quand t'entends le Walida, t'es content, mais là... Vu qu'il y a la petite maille et tout sur le portail, Gowasu, je crois, et Zamasu. Ça n'apporte rien de bon, forcément. Et à chaque fois que j'ouvre ma grande bouche, il y a le duo qui tombe. Mais c'est incroyable, ça. Et le rosé, oh là, voilà. On arrête là-dessus. C'est incroyable. Le duo blue, le rosé. Le troisième SSR, tu me sors Gatai, et là, on a The Multi. Ah, t'as vu, j'ai été trop gourmand. Incroyable, les amis. Je pense qu'on... J'ai envie d'arrêter là-dessus carrément, mais il y a la gratuite. Je ne peux pas vous laisser sans faire la gratuite. Mais là, on arrêtait là-dessus, c'était légendaire. Oh, elle est belle, celle-là. Allez. Dernière multi, les amis. Pas de faille. On aurait pu avoir une faille quand même pour finir en beauté. Ça aurait été bien. Petite fusion, peut-être. Pas de fusion, pas de faille. On aurait pu arrêter sur une masterclass. On va arrêter sur une catastrophe, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On a eu notre rosé en vidéo. On a eu notre duo blue en vidéo. Et ça, c'est super. Allez. Avec quoi on va s'arrêter? Un petit Gohan. Ultimate Gohan. Bon, voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez suivre le petit projet, le petit délire. On va bien rigoler. Hein. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pour voir un peu le nombre de DS et tout ça, pour rentrer dans votre jeu, parce que je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui allait répondre à ce tweet. Du coup, ça fait plaisir. Du coup, même moi, j'ai envie de savoir maintenant. J'ai envie de savoir avec combien de DS on peut arriver. Est-ce qu'on va être chanceux parce qu'il va falloir invoquer sur la route ou pas? Et même au moins, les nouveaux joueurs, ceux qui commencent, vous pouvez venir suivre l'aventure. On va essayer de donner des conseils pour votre farm, pour votre optimisation, pour bien packer vos DS, pour pas faire n'importe quoi. Et donc voilà, donc venez suivre tout ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça t'a plu comme d'habitude, le petit pouce de soutien, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour les prochaines vidéos. Peace.